Salut à tous, c'est Etienne, on se retrouve sur Palworld pour l'épisode 33, si je ne dis pas de bêtises, ouais c'est ça. Épisode 33, on s'approche de la fin, j'ai up à niveau 46 en capturant pas mal de pales. Je commence à en avoir pas mal, il y aura celui-là qu'il faudrait que j'aille capturer parce que je suis à 2 sur 10. Une petite vache aussi. Mais voilà, je commence à faire le tour de ce que j'ai à 10 sur 10 si possible au niveau des boss. Je refais souvent le tour des boss pour les tuer tout simplement et que ça me rapporte de l'XP. Bref, on progresse et dans les technos, on a plusieurs choses. Oui, j'ai aussi eu le Suzaku Aqua que j'ai eu dans un œuf. Donc complètement pas prévu. Mais sinon on peut faire le croisement avec un Suzaku et puis un autre pâle haut je crois. J'ai pas la liste sous les yeux mais en gros vous allez sur palworld.gg et vous l'aurez. Surtout on a... et puis aussi il faudra qu'on la teste parce que le niveau 43. 3 niveaux de plus que le Suzaku de base, donc à voir s'il est mieux ou pas. On a également débloqué l'armure en paluminium, donc on va se crafter ça, on va voir ce qu'il nous faut. Il nous fallait des tissus de qualité. Je commençais à préparer ça, c'est pour ça que j'ai mis les Cybélix. Les Cybélix permettent d'aller à la ferme et de donner des tissus. Directement des tissus de haute qualité, ce qui est top parce que ça nous permet, voilà j'en ai mis 2 et on en a rapporté quand même déjà 26, ce qui est pas mal, enfin 24 plus les 2 que je viens de récupérer là, donc ça c'est vraiment top. On va mettre notre Anubis là, on va crafter notre nouvelle armure et on va crafter surtout le home. Hop. Ça nous demande pas mal de palium. Mince, de palium. 220 en armure par rapport à la raffinée qui est à 150. Donc on est quand même sur pas mal d'armure. Et là par rapport à mon casque bleu qui est à 70, allez, il est hautement plus performant. Très bien. On va l'équiper, je vais... Oh, il est stylé en plus. Elle est stylée. Ok, très bien. On va ranger le reste. Ça récupère. On va ranger la standard. Je commence à plus avoir de place moi là-dedans. Hop, j'ai plus de place. Voilà, et après il faudra que je remplace les la réfrigérante et la chauffante. Et pour l'instant, je ne les ai pas débloqués. Donc... On range tout ça, on trie et on a normalement l'arrivée du pal que je voulais récupérer la dernière fois. Je ne me rappelle plus où je l'ai mis. C'est le hors sec et on va voir ça ensemble. Hop, est-ce que c'est lui? Non, lui c'est le Jormunted qu'on a obtenu. Que j'avais fait plusieurs croisements. Là on a quoi? On a un verdache, très bien. Là on a un somme luxe qu'on est quasiment à 10, il nous en manque 4. Et on a un or sec, voilà. Ok, mentalité instable, on va voir ça après. Hop, un autre or sec, toujours des... ah non, c'était pas... c'était le genre. Le genre, un nouveau, ok. Je vais aller trop vite. Il n'a pas eu le temps de s'afficher. Et ça fait pas mal d'XP, hein. Mine de rien. Un univolt là, il nous en manque un pour arriver à 10. Et lui, bon, j'en avais déjà assez. Très bien. Et ben c'est top. J'avais pas plus de hors sec en fait. Ah si, c'est peut-être eux en fait. Au final. C'était peut-être eux. Très confortable. Oh, j'ai un doute.
J'ai un doute, mais je pense en avoir fait au moins deux. Va peut-être falloir en faire plus. J'en ai qui ont du... Lui, il a du mal avec son mental. Pourquoi tu vas pas te reposer? Hein? Caresser. Ça n'a pas diminué, enfin ça a pas diminué, faudra peut-être que je le remette dans la box. Ok, donc voyons voir les hors secs. J'en ai un qui est là, donc voilà à qui ressemble. La miniature était déjà pas mal et là il est encore plus stylé en vrai. Génération d'électricité la 4, hein. Donc pour ça c'est très bien. Alors, en travaux manuels, il est à 2 et transport à 3. Il est en mentalité instable, donc mentalité qui diminue, vitesse de déplacement là. On peut pas le monter, on peut pas voler dessus. Et son buff, c'est ça augmente plus de les, ça augmente les loots des pales de type O. Ok. Et ben, on va le mettre dans notre team. J'ai commencé à occuper, à avoir mon Suzaku avec moi. On va mettre lui à la place de l'Astréon. L'Astégon pour l'instant. Parce que je peux pas le monter celui-là pour l'instant. Donc on va le mettre là. Et on va aller le monter. Lui, au final, il est pas si bien que ça pour monter dessus. Ah, d'ailleurs, j'en ai chopé comme ça. C'est parce que j'ai fait le croisement, oui, j'ai fait le croisement. Je suis en train de me dire ça. Oui, j'avais fait le croisement et c'est qu'après qu'on a été capturé celui-là ensemble. Ok. J'étais en train de me perdre un peu dans tout ça. Alors, je vais voir s'il y a des croisements intéressants à faire. Sinon, je vais continuer à obtenir certains pales pour les améliorer. Ok, bon, au final, j'ai pas d'autres croisements pour l'instant d'important à faire. Donc, on va faire plus d'or sec. On va prendre lui. Mince. C'est pas le bon. Voilà. Pourquoi j'arrive pas à le choper? Ok, bon. Il y a encore des petits problèmes de collision, donc on va le faire comme ça. On le retire, on le remet. Et au moins, bon, là. Alors, hop, on va aller capturer un petit peu, faire pixer nos pales. J'ai d'ailleurs normalement les vaches. Que je voyais où on les obtient. C'était où? Habitat, c'était par là, oui. Alors, pour ce qui est... alors, eux, ils n'ont pas d'habitat, donc on les obtient que en faisant le croisement. Lui, on peut le croiser là. Lui, pareil. Là, c'est pareil. Les hors secs, c'est aussi pareil. On peut le croiser sur les... sur cette île-là. Très bien. J'imagine que les deux autres, c'est peut-être également sur cette île-là. Donc ça serait peut-être intéressant d'aller faire un tour. On va peut-être aller ici faire un tour. Allez. Même si je risque de me faire attaquer. Alors, hop, on va équiper ça. Pour l'instant, parce que maintenant ils avaient changé dernièrement sur une des mises à jour, ils avaient changé le fait que dès qu'on était sur une monture, ça considérait qu'on est en mode braconnage, chose qui n'était pas le cas avant, tout simplement. On va l'esquiver, on va les esquiver ça. Et normalement, bah, on devrait, dès le moment où on va rentrer dans le périmètre, on devrait être considéré comme étant un méchant. Hop. Alors j'ai mon fusil à pompe qui est quasiment cassé.
ce qui est pas top. Alors, à quel moment on possède le... Ah, crime en cours, ok. Il faut pas se faire voir, j'imagine, par la garde. Faut essayer d'esquiver la garde. Par contre, on a tout cela. On peut essayer de se les capturer. Merci. Et ils font mal quand même aussi, hein. C'est pas ça. Peut-être mettre une meilleure bobole. Hop. 11%. Évidemment. Crime en cours. Est-ce que dès le moment où je vais le capturer, ça me considérer comme étant... Je pense que c'est juste le fait de ne pas se faire voir. Par contre, tu peux rentrer dedans là? S'il te plaise. Merci. Ça peut nous rapporter gros le fait d'être ici. Ah bah tiens, il y a un or sec là-bas. Là, hop. On va le capturer. Ah, l'autre qui m'attaque derrière. Ouais, on attaque, il attaque. Ok. Mais non! Ah, le Bushi là. Bushido là. Putain, il l'a tué. Avec tout ce que je lui avais mis comme dégâts et tout ça, il a fait des dégâts après. Je disais bien qu'il avait aggro et qu'il allait m'embêter. Bon. Crime en cours. Ah, du coup, c'est rien ça, faut juste qu'il nous voit, que les braconniers nous voient. Enfin, que la garde nous voit. Parce que là, on est un braconnier. Ah, je suis dégoûté. Voilà, cool. Est-ce qu'on en voit d'autres? Alors, en bas, j'ai pas l'impression qu'on ait des... Ah, je dis ça, mais... Du coup, ils m'ont vu. Ah, il y en avait là. Ok, bon, bah rip. Je suis passé en wanted. Rip, rip, rip. C'est pas grave. Ah bah tiens, il y en avait là. On va continuer, on va regarder s'il y a d'autres hors sec là. C'est juste des pierres ici. On a un Nicéram ici. Là, c'est un coffre. On a la milice qui apparaît du coup. Et un autre coffre ici. La milice qui pop. De toute façon, elle pop autour de nous. Hop, il n'y avait pas d'autre partie, non, c'est que ça, la zone. Ouais. Bon, je suis dégoûté, j'ai pas eu mon hors sec, en plus je me suis fait repérer. Et en plus on est de nuit, donc... Donc on voit plus rien, tout simplement. Bonus d'or vert. Bim! Et hop, il le capture. Il apparaissait dedans. Il fallait s'en douter. C'est juste pour essayer. Bon, on rentre à la base histoire de perdre notre wanted. Puis on continue. Alors,
Alors, petite mise en place d'une technique, c'est que du coup, vous pouvez avoir trois boîtes à pales pour avoir trois bases. Et bah, pourquoi pas la faire directement à côté, hein? Comme ça, c'est plus rapide. Comme ça, on en a une qui a on pourra même mettre un lit par la suite. On a. Bah, je me fais repérer. Enfin. En crime direct. On en a une pour le fer, une pour la standard, et puis celle-ci qu'on peut mettre où on veut pour aller capturer du pal. Ça, c'est bien ça. Et ben, c'est parti. Oui, il est 45. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça fait mal. Ça m'a cuté dans mon tir. Ok. Ça fait très mal. Pourcent. Ça va être compliqué. Ouh, il y en a un qu'on connaît pas là-bas. On en a un qu'on connaît pas. Ça a l'air d'être une sorte de griffon. Cool, on l'a eu. Un Shadowbeak. Ok. Une attaque de. Ouh, elle va vite son orbe là. Ok, il me balance les trois petites flammes. C'est une sorte de griffon, ouais. Je connais pas son attaque là. Allez, c'est pourtant. 6%, je m'exprime mal. Hop. 43 en plus, niveau 43. Allez, on va dedans. Yes. Ok, cool. On va s'éloigner. Alors en fait, il faut faire attention au passage de la nuit. Parce que du coup, il y a des gardes qui pop. Il est stylé. Il fait tomber du palunium. La fibre de carbone est libre de compétences. Collecte niveau 3. Donc l'habitat est seulement là. Et peut être monté comme monture pour voler. Ok. Et type ténèbres. Ça peut être très sympa. Alors ensuite. On a encore lui ici. Deuxième étage, on va faire attention de ne pas croiser les gardes. Est-ce qu'il y en a le jour des gardes? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y en a le jour des gardes. En fait, je me suis refait repérer parce que la nuit est arrivée et que les gardes ont pop sous moi. Donc ils m'ont vu direct. J'ai l'impression que c'est ça. Après là, on voit que des bushy-bushy. On peut continuer de s'en capturer. Hein. Ok. Ah, c'est pour ça que je faisais plus de dégâts. Reste dedans. Nice. Bah, c'est très bien. Et le truc, c'est que en mettant notre base à côté, on peut simplement se téléporter à une autre, revenir sur celle-ci. Et vous allez voir que ça va nous permettre aussi de faire dépop les pales et les refaire pop. Donc on peut farmer la zone comme ça. En plus de ça, on peut facilement aller surcharger
Si jamais on a besoin. Ah oui, on loot pas mal de choses en vrai. Hein. Les combattre là-bas, ça peut être intéressant. Hein. Bon, armure en métal, c'est pas intéressant ce qu'on a eu. Mais bon. Par contre, pensez à prendre tous les matériaux et tout ça pour fabriquer votre base. D'ailleurs, il a commencé à faire nuit là. Mince. Alors, des fois, voilà, c'est vrai qu'il faut changer comme ça. Ok. Hop. Alors, on peut aussi s'en servir de la base comme ça. Vous pouvez vous en servir aussi en allant à côté d'un boss. Comme ça, en fait, vous faites la base. Et vous invoquez les pales. Des pales puissants. Et comme ça, vous attirez le boss dedans. Ce qui permet de lui faire des bons dégâts. Mais il n'y a que les mêmes. Que des bouchis qu'on pop. Ah, il y a des gardes là-bas. En fait, ils sont. Il y a plusieurs horaires. Plusieurs horaires ici. Bon. On va pas. On va essayer juste de capturer. Bon, est-ce que je suis pas parti assez loin pour décharger la map? Je sais pas. On va aller chercher. En plus, on va construire un lit. Faut juste que je me rappelle ce qu'il faut pour fabriquer le lit. Papapapapam, du bois, du textile et de la laine. Ah non, du textile. Donc, du bois là. Textile et de la laine, on doit en avoir là-dedans. Voilà. Hop. On s'y TP. Ah, évidemment, il me fallait plus de bois. Rip. En même temps, je sais pas pourquoi il y en avait que si peu là-dedans. Il est passé au mon bois. Ah, quand même. Ah. Donc il y a plusieurs horaires, apparemment. Ah, il faut un toit. Non. C'est de construire trop proche. Si c'est bon. Voilà. Ok. C'est fini. Je peux pas l'utiliser parce qu'il me faut un toit. Alors. Ah, je peux pas le faire parce que j'ai la boîte à pales. Ok, on y arrive. Allez, on va se faire. Où sont les fondations? Voilà. Si je peux pas, et si je peux pas, pourquoi? On va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. On se fait un mur là. Et on va se faire un toit. Toujours un problème pour poser le toit. Faut le mettre d'abord en pente ici et après on peut le mettre. Et après on peut casser ça. Truc incompréhensible, mais c'est pas grave. On va faire son lit comme ça. Voilà. On va s'en sortir. Et si j'invoque. Aussi rapide. Voilà. Et c'est pas encore la journée, donc. Enfin, la nuit, donc je peux pas le faire. Je peux pas dormir, tout simplement. Ouais, si on a d'autres pales, il faut faire attention parce que les gardes ont l'air de pop. Alors, pour l'instant, on a que des bouchis-bouchis. On a lui. On peut essayer de s'en capturer un. Ah, il y a des gardes là-bas. L'attire. Oh, il y a lui. Un as. D'accord. Direct.
On va aller voir. Si on a un Astégon. On peut l'avoir comme ça ici. Ok. Astégon 42. Vous pouvez l'avoir sous forme sauvage là. Très bon à savoir. Ah, il est à moitié bugué. Ah, il était à moitié bugué. Maintenant, il est plus bugué. Il sait plus le truc en pleine tête. On va prendre les balles là. 7%. On va essayer de garder l'autre à distance. Tu vas où? Qu'ils viennent pas le tuer, ce serait dommage. Et on l'a capturé. Cool. Il est maladroit. Bon bah en gros ici hein, on peut farmer avec les ultra sphères. On verra quand on aura les plus grosses. D'accord, il a bien esquivé ça. On pourra se faire une razzia de comment dire de statut pour augmenter nos pourcentages. Mais ça va pas être très plaisant. Mais ça peut être intéressant. Ok, cool. Ok, on peut avoir l'Astéron ici. Très bien. On commence à faire le tour de tous les pales qu'on peut avoir. On va esquiver. Il y avait les gardes là-bas. Mais voilà. La belle petite technique pour pouvoir les farmer. En faisant attention aux gardes, on peut les farmer, il suffit de ne pas se faire repérer par les gardes. Et même si vous êtes en... Après, bon, si vous déclenchez une recherche, vous allez dans votre base, vous laissez les pales de votre base les tuer. Ou vous allez vous cacher, au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc c'est assez cool. Mais ouais. Bon, on va ranger tout ça. Et voyons voir notre cher ami l'oiseau là. Le Shadowbeak. Il a l'air vraiment stylé. En plus, il y a quand même une catastrophe divine quoi. Rien que ça. Et ben, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est un ténèbre, donc c'est un petit peu dommage. Je vais peut-être devoir remplacer mon Lumoon. Et surtout, quel niveau est la selle? Ah, elle est niveau 47. Hein. Il y a tout au niveau 47. Il y a l'Astéron et le Shadowbeak. Ok, bon. Et ben, on va farmer pour passer niveau 47. Hein. En récupérant... nos petits, comment dire, des petits pas et tout ça qu'on a déjà eu pour en avoir 10, puis en faisant les œufs, tout simplement. Puis voilà. Allez, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis de vous abonner, ça serait sympa. Je vous demande de vous abonner parce que j'ai pas un ordre, mais ça serait cool. Je sais pas où est la vache parce qu'elle est en train de mourir de famine et tout ça. Elle est coincée dans la truc là-bas alors qu'elle ne devait plus l'être. Mais bon, c'est pas grave. Et puis, à la prochaine. Hein, des bisous et ciao, ciao tout le monde.